Et non, mais on ressent. De retour sur le plateau de ETV Service. Et là, on va passer en mode association. On va passer en mode tradition. On va passer en mode fosse. Parce que je reçois sur le plateau fosse et tradition représentées. Tout d'abord, par sa présidente Véronique Gamère, bienvenue. Merci, bonjour. Ça va? Bien installé? Impeccable. Impeccable? S'il y a besoin d'un petit truc, je suis là. Et bien sûr, l'homme qu'on ne présente plus, qui est venu en style, en swag, en fashion victime, bien sûr, il est là, Jackie Richard, est-ce que ça va? Oui, ça va être très bien. Très bien? Bien, oui, non, pas de la même chose, si vous vous embêtez, demandez-moi, quand il cherche tout ça. Pas de problème. Alors, on va commencer déjà, parce que vous êtes venu nous parler d'énormément de choses, et on va attaquer directement. Première chose, force et tradition, qui êtes-vous? Et quel âge avez-vous? Force et tradition est une association culturelle de Goyave, mais j'aime dire en plus de Goyave, de la Guadeloupe. Parce que dans Force et Tradition, on a toute la Guadeloupe représentée. Il n'y a pas uniquement des gens de Goyave. Ok. Voilà. Et on existe depuis 11 ans maintenant. 11 ans déjà. Voilà. Et justement, quels sont vos objectifs? Quelles sont vos missions? Alors, je dirais. Nous sommes une association, on a plusieurs casquettes. Donc, on est à la fois groupe de goka, groupe de musique et danse goka. Ok. Et on a aussi en charge la transmission. Donc, il y a la casquette aussi école. On se charge de la transmission du groka, de notre musique, de notre tradition, aux enfants, aux adultes, intergénérationnels, les hommes aussi également. Ah, j'ai bien aimé la façon dont elle a dit les hommes aussi. On apprend à danser, à jouer avec un ensemble d'intervenants, de professionnels qui encadrent tout ça. Et justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants? Ça m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants à partir de 3 ans et demi. Et au contraire, c'est beau, ils sont très intéressés parce que le travail commence de ta transmission commence par les enfants. Parce qu'on se rend compte avec les enfants, on attire après maman, papa, la famille. Exactement. Et le foyer tout entier. Et on se retrouve avec, j'aime dire, des groupes de goka dans chaque cellule familiale. Ah. Et ça, c'est magnifique. On se retrouve avec des chanteurs de goka, papa, maman qui danse. On a les enfants, il y en a deux qui jouent le tambour. On a encore un autre qui danse. Mais bon, ça fait des groupes de goka comme ça dans chaque famille. Et j'aime dire qu'on ne voit plus des napperons ni des pots de fleurs sur les tambours. Ouais. Ce sont des instruments de musique, le tambour. Et un instrument de musique qui est sacré. On le respecte parce que derrière ça, il y a une histoire. Et on voit un instrument de musique qui joue, qui vit à travers toute la famille. N'est-ce pas magnifique? C'est vrai, de un, c'est magnifique, et de deux, qu'il y a une période, on doit avouer que le cas est servait de peau, de table, on voyait les petits nappons dessus. Exactement. Hein, donc, non, donc on a. Hein, et tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que les associations font un gros travail, donc bravo à toutes les associations de Guadeloupe qui font un gros travail à ce niveau-là, et pour permettre effectivement à ce que notre cas, notre tambour, notre gros cas, puisse retrouver sa place. Justement, parce que j'aime bien parler aux touristes. Parce que oui, venez, je vous vois, vous êtes en Guadeloupe. C'est normal, on est obligé de kiffer la Guadeloupe. Est-ce qu'on peut leur décrire en deux, trois mots le ka, notre ka? Alors le ka, c'est, comme je disais, c'est un instrument de musique. Donc c'est traditionnel, c'est vraiment de la Guadeloupe, c'est du 100% Guadeloupe. Derrière le ka, il y a une histoire, donc ça vient de notre période d'esclavage, de toute cette période-là, donc il y a la souffrance, il y a tout ça. Donc ça, nous, dans la transmission, on inculque ça aux enfants et à tous nos membres, à tous nos adhérents, parce qu'il faut s'imprégner d'abord de cette histoire pour pouvoir déjà mieux jouer l'instrument et respecter cet instrument. Tout à fait. Respecter cet instrument. Mystique. Donc c'est un fût, il y a une peau, la peau de cabri, voilà. Il y a le zoban qui sert effectivement à fixer la peau, il y a les cordes, il y a les clés. C'est un instrument de musique extraordinaire. Justement, musique, je vois M. Richard acquiescer, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Mais c'est pas aussi le côté mystique aussi du tambour, parce que c'est très important, parce que nous sommes issus de l'Afrique. Et le côté africain est bien imprégné dans le cas. Ouais. Ça, c'est très important. Je vois justement, j'adore, je disais que j'adorais le logo, en plus c'est vraiment beau. Alors comme je l'ai dit au début de l'interview, vous préparez énormément de choses. Déjà, parlons de l'album. Vous avez un nouvel album qui va sortir. On a un nouvel album qui est sorti. Qui est sorti. Qui est sorti. Déjà. Et en plus, il est sorti pile poil avant qu'on ne parte en tournée artistique, justement. D'accord. Sur New York, Québec, Montréal. On revient d'une tournée, là. Okay. Donc, on a pu partir avec cet album qui nous a servi de carte de visite pour le présenter
à l'international. Alors, l'international, à le monde entier. Cette tradition internationale. Parce que notre musique mérite d'être connue à l'international. D'autant plus que là, c'est un magnifique festival du côté de Québec, ouais, qui s'appelle le Mondo Carnaval. C'est le festival des musiques du monde. D'accord. Donc, on était plus que fiers de représenter notre musique, notre Gwoka, dans ce festival qui avait toute sa place. Et justement, quel a été l'accueil? Alors, formidable. Ah, je vois monsieur Richard. Ah, ouais, c'est magnifique. Formidable, on a eu un accueil, mais vraiment, on était, je ne vais pas dire comme des stars. Ouais. Les gens, il y avait cette curiosité aussi derrière, et on arrivait à captiver tout public, hein, toute nation, parce ouais, qu'il y avait toute la diaspora africaine, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud, okay, il y avait le monde. Le musique, festival des musiques du monde. Et la Guadeloupe était présente. Et la Guadeloupe, ah, alors vous imaginez, avec force et tradition. Et tradition. Donc, ils ont beaucoup apprécié d'ailleurs le nom qui vraiment symbolise très bien qui nous sommes. Ah. Et pouvoir faire effectivement cette transmission et montrer effectivement cette tradition au monde entier. Et que ces gens-là puissent avoir, c'est la curiosité de venir, parce qu'on a fait aussi la promotion touristique. Et c'est important. Pour la destination Guadeloupe. Eh oui. La curiosité de vouloir venir en Guadeloupe et découvrir notre beau pays. C'est parce que c'est important, n'importe qui, quand vous voyagez, vous êtes les ambassadeurs de la Guadeloupe. Exactement. C'est vous qui nous ramenez les touristes. Donc faites ce travail-là, c'est très 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 exactement, important. Alors justement, que peut-on retrouver alors, sur cet album? Alors sur cet album, on retrouve 12 titres. Ok. 12 titres de Gwoka. Donc vous voyez la photo, tout est dit, le tambour. Hein. Donc, les couleurs vives, c'est ça, vives, le jaune, le madras, la lumière. Il y a la lumière. Et 12 titres avec 4 chanteurs lead sur l'album qui sont donc Jackie Richard, on a Victor Colbos, on a Aurel Niçoise, on a Marius Numa, okay, les chanteurs. Il y a aussi des jeunes, parce que tout ça aussi pour montrer le travail c'est que fait l'association. Il y a aussi des jeunes qui chantent, donc Cassandre Gamère, ma fille. Ouais. Il y a Leslie Réjean, mm-hmm, hein, qui chante. Et on a aussi des jeunes aussi qui jouent. Okay. Donc tout ce travail, et on le retrouve vraiment sur cet album France et Tradition. Et aussi parce qu'on est aussi des pédagogues, ouais, chargés de la transmission. Donc on s'est arrangé parce qu'on a souvent la demande quand on enseigne, dans l'école, les différents rythmes du Gwoka. Très important. Donc, non seulement ils sont dessus, mais ils sont aussi écrits à côté de chaque titre. Comme ça, surtout quand on débute, on a le temps de pouvoir s'imprégner du Grage, du Tumblak, du Léros, de l'Indestoise, du Padjambel, du Grand Jambel. Donc, Force et Tradition, on retrouve tout ça dessus. Et on a aussi deux morceaux avec les jeunes où c'est de l'instru. Là, on a 3-4 jeunes qui font un ripage. Ouais. Un ripage sur la polyrythmique. Vous avez un ripage avec des jeunes au marquage. Vous savez, on a dans le Gwoka, on a les boulas, on a le marqueur. Alors là, c'était 3-4 jeunes qui se... Voilà. Et ça, c'est magnifique. On a aussi des musiciens là-dessus qui sont très connus, qui fonctionnent avec nous depuis. Alors, pourquoi on self-formie? Pourquoi on self-formie? Parce que la Guadeloupe est une seule famille. Bravo. Que vous soyez jeune ou ancien, de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre, du Moule, nous sommes une seule femme. Nous sommes des frères et des sœurs. Guadeloupe. Tu es dans Force et Tradition. C'est moi le trésorier de Force et Tradition. C'est moi qui gère, et si vous voulez l'album, c'est moi qui vends tout ça. Mais tout est dit. Donc effectivement, on retrouve effectivement toute la famille intergénérationnelle, ouais, dans l'album Force et Tradition. Donc tout le monde a sa place. Il n'y en a pas un qui est plus gros catégorique, catégorique. Mmh. Tout le monde est vraiment à ce mérite-là sur l'album parce qu'on a tous cette valeur. Apporter notre grain de sel à notre culture, à notre tradition. Et c'est important aussi la transmission. Voilà, la transmission. Donc je disais, les musiciens, on a Roger Couvin, ouais, Amine, qui est également le professeur de K dans Force et Tradition. Okay. Donc c'est, on a aussi Alain Cabon, aussi, percussionniste. On a Acapulco, Jean-Pierre Toll. On a José Dorville, qui sont des noms très connus. D'accord, là, oui. Brocard, on a Olivier Gilles. On a, voilà. Donc, il y a tout un... C'est un bijou. Allez vous le procurer. C'est l'album Force et Tradition. Ça y est, il est en vente. Et oui, la culture, la transmission, Force et Tradition. Et ce que j'aime bien dans vos discours, c'est qu'on entend beaucoup le mot « jeune ». Donc ça intéresse vraiment bien sûr la nouvelle génération. Alors comment est-ce que justement, monsieur Richard, vous voyez ça, cette transmission, et vous voyez les jeunes qui arrivent et qui dansent, qui chantent et qui proposent quelque chose? Mais c'est quelque chose de très beau parce que moi j'ai deux petits-enfants, ils sont déjà intégrés dans le Gwoka aussi, c'est très, très, très important. Mais au niveau de Force et Tradition, parce qu'il y a des enfants comme Cassandre, la fille de Véronique, ben Leslie, c'est son roman, ils dansent, chantent, jouent au Gwoka, mais c'est vraiment des... Michel Mouret, c'est ça qui est important parce qu'ils ne font pas quoi jouer au Gwoka.
ils chantent, ils dansent. Voilà. C'est ça qui sont habités. Ah oui. Ça coule dans leur veine. Ah, mes enfants, ils font leur les roses seuls. Donc nous, on est là un moment. Hein. Donc on se charge de la transmission, la relève. Ouais, la relève est déjà là. Il faut toujours penser à la relève hein, dans tout ce qu'on fait. Hein. Exactement. Surtout dans la tradition, pour qu'elle puisse se perpétuer et rester intacte. Alors juste. Les portes, le quand même. On a un apport de l'invité important. Ouais. Mais c'est André Boussillon de Indes Soska qui nous chante un grand jambel. Ouais. Extraordinaire, avec la voix inimitable. Le morceau Conscience, hein, justement, dédié aussi aux jeunes. Okay. Donc, j'en dis pas plus, puisque tout est dessus. Tout est dessus. Allez vous procurer l'album, absolument. C'est un album qu'il faut pendant les bouchons en Guadeloupe. Vous savez, comme il y a beaucoup d'embouteillages, alors allez-y, vous avez le temps d'écouter. Avec notre invité Charles Rized, ainsi que Thibaut Bouchon, ce sont des artistes très connus dans le milieu culturel. Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous faites des journées portes ouvertes? Est-ce que vous faites des démonstrations de danse? Est-ce que vous faites même des conférences sur la tradition ou même sur l'échange culturel? Parlez, je pense qu'il y a une journée le 27, vous êtes actif. On n'a pas de limite, hein, si la santé le permet. Déjà, pour répondre à la première question, on a la partie école, je disais, donc on donne des cours de gros cas le vendredi soir, à partir de 17h30 jusqu'à 20h30, 21h à Goyave. Les jeunes, après les adultes. D'accord. Donc, pour nous joindre sur Facebook, mon numéro qui affiche, il s'affichera sur l'écran tout bien à l'heure. Bien sûr, ne vous on a pas, aussi, ça va s'afficher. On est aussi organisateur de Les Roses. Ok. On est aussi sur les manifestations culturelles, des spectacles, des animations. Pour ton mariage, il n'y a pas de problème. Ah, donc si je vous appelle et vous venez. On fait une animation mariage. Super. Donc, dans toutes les fêtes, les banquets, on est présent. Parce que même à l'église, hein, ok. Hein, le boca. Oui, c'est très beau. Franchement, pendant les mariages, c'est vraiment très, très beau à voir. C'est magnifique, c'est magnifique. Et voir les mariés, on en a fait au moins trois comme ça pendant les vacances. L'animation. Animation, peut-être. Ouais. Animation dans les mariages. Et ça, c'est magnifique, voir les mariés danser au bout bal sur le boca. Mes amis. Ah, mes amis. Quel plaisir. Quel régal. Et donc, pour se munir de l'album, trouver l'album, donc tous les disquaires de la place, et autrement, sur chacun des membres du groupe, Fosse et Tradition. Ok. Hein? Vous n'êtes pas encore sur le non, net? Non, pas encore. Pas encore. Parce que vous savez qu'il y a des gens de Paris, là, qui sont en train de nous regarder. Oui, effectivement. Et qui se disent, mais j'aurais bien aimé l'acheter. Oui, mais ils peuvent le trouver chez Debs, à Paris. D'accord. Et on a aussi d'autres contacts. Hein, vous allez retrouver les contacts sur notre Facebook, sur Paris, qui sont en charge de distribuer, de présenter l'album. Ok. D'accord. Et si ils sont passés au Paris? Ouais, si, ils sont ici. Ils nous écrivent. On essaie de voir. Il y a la Martinique là qui est en train de regarder. La Martinique nous écoute. La Martinique nous envoie un petit mot et on leur fait livrer. On fait l'expédition, pas vous les On fait l'expédition. Tout simplement. Contactez-les, ils sont là pour ça. Voilà. Alors, on parlait aussi de la journée du. De manifestation. Je vous laisse terminer. Des manifestations, je pense que c'est sur l'actuel. Déjà, vendredi soir, on va participer au vernissage dans le cadre d'Octobre Rose avec Amazon Guadeloupe. Donc, c'est le 27, vendredi 27 octobre. 25. 25, pardon. Je suis en avance, je suis dans le futur. Voilà, c'est vendredi ici, donc 25, à Bas-du-Fort, Fort Fleur d'Épée. Ouais. Hein, on sera là, on fera une belle animation avec elles, parce qu'elles ont un beau projet. Elles ont, j'en dis pas plus, c'est une surprise. Déplacez-vous, venez. Déplacez-vous, une belle exposition autour de cette cause. Et j'encourage vraiment tout le monde à venir. L'exposition commence le 26, le vernissage c'est le 25. D'accord. L'exposition commence le 26 et dure jusqu'à la première semaine du mois de décembre. Novembre, si je ne me trompe. Donc voilà, j'encourage vraiment les gens à venir parce que c'est vraiment un truc à voir. C'est vraiment. Et c'est pour une bonne cause. D'autant c'est très plus, important. D'autant plus, c'est pour une bonne cause. Donc venez. Ensuite, les manifestations, mais le 2. Ouais. Le 2 novembre, notre traditionnel coup de tambour en mémoire des défunts. Ah, très important aussi. Ouais. Le fly, si je ne me trompe pas, va s'afficher à l'écran. Va s'afficher. Voilà. Les mots. Donc, à ne pas confondre, le premier, on sera avec notre amie Marie-France Massambo pour son grappe à Congo du côté de Cambrefort, Capesterre. Et le lendemain, le 2, le samedi 2, tout le monde sera à Goyave. Hein, pour le coup de tambour en mémoire des défunts. Donc ça commence à 7h. Ouais. Alors on dit même dire 7h soir. Ouais, parce que c'était le matin. Parce que les gens vont arriver le matin. À 7h du soir, 7h soir et jusqu'à minuit. Donc c'est quoi la formule? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est la 13e édition, c'est comme une veillée à la maison, sauf que là c'est une veillée dans la rue. Et donc c'est à Goyave, à Goyave, et c'est stratégique, ça se passe en face de l'église, en face de la mairie, de l'église, en face du cimetière et sous le marché.
Donc on est en plein cœur, au moment où les gens vont illuminer, vont au cimetière. Donc ça permet aussi d'accompagner les gens qui vont au cimetière. Et dans cette période-là, parce que bon, toutes les douleurs, ça remonte. Exactement. Effectivement, donc ça permet. Et en même temps, plus de la musique, le coup de tambour. Donc tu sais ce que c'est qu'un coup de tambour. Mais quand même. Quel quoi, coup de tambour? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un coup de tambour? Un coup de tambour, c'est pas. C'est qu'on parle de rose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Le rose n'a pas de limite. Voilà. Jusqu'à 5h du matin, un coup de tambour, c'est jusqu'à midi. Voilà, c'est limité à la durée. Voilà, c'est limité. Ouais. Voilà, donc notez bien, parce qu'à la fin, bien sûr, de toutes ces émissions, il y aura des petites questions. Ça sera une petite donc, question. Donc c'est limité, on l'a limité à minuit. Je dis ça parce qu'on est déjà tellement habitué avec nos lérosiens. Qui continuent arrive... après minuit. Non, mais qui arrivent à minuit. Voilà. Qui arrivent à minuit, c'est pas les roses. Ça commence à 7h du soir, jusqu'à minuit. Et c'est le 2, on rappelle voilà. Que c'est le samedi. Très pour te le signaler, cette manifestation se fait en collaboration avec une autre association de Goyave qui s'appelle Guadrose et on est là ensemble. Donc nous, on apporte la musique et cette association apporte le repas. D'accord. Par contre, pas une soupe à pâte d'adef. Mais pour vous dire qu'avec tout ça, il y a aussi le repas qui est offert. D'accord. Les boissons. Fait bon, c'est vraiment un moment convivial, amical, familial. Donc on arrive avec un bel esprit de partage. Et d'amour. Et d'amour. C'est bon. L'amour. Voilà. Alors reprenons un petit peu. Donc, force de tradition, énormément d'actualité. Vous avez donc votre album qui est disponible partout. Et si vous êtes à Paris, vous contactez, vous gérez. Si vous êtes à Martinique, vous écrivez, il vous envoie tout ça. Ensuite, le 27. Vous le 25. Le 25. Je sais ce que j'ai avec le 25. Le 25. Le 25 octobre. Vendredi. Pour une belle cause. Oui. Octobre Rose, bien sûr. Ils seront là aussi. Avec Amazon Guadeloupe. Association Amazon. Et ça se passe où? Fort Fleur d'Épée. Au Fort Fleur d'Épée. Donc c'est ce vendredi. Exact. Et bien sûr, le 2. Le 2. Coup de tambour. À Goyave. À Goyave. À partir de 7h du soir. Jusqu'à minuit. Voilà. Parce que c'est un coup de tambour et donc c'est limité. Voilà. Donc venez pas à minuit. Je vous connais, vous allez venir à minuit et puis après vous dites, c'est déjà fini. Pourquoi, machin. On nous fait prolongation. On nous fait prolongation. Et prolongation, d'ailleurs, prolongation. après minuit, c'est plus la fête des morts. Après minuit, c'est le 3. C'est le 3, attention. Et aussi pour clôturer, puisqu'on est sur les manifestations, on a aussi le 16 novembre, okay. Qui est le Mémorial Carnot. Donc nous, on est en charge du Les Roses. D'accord. Les Roses, Carnot. Alors tu connais Carnot? C'est qui Carnot? Ah! Non, mais c'est qui Carnot? François Moléon Gernédier, dit Chacha, dit Carnot. Donc, qui était un grand musicien tambouillé sur Goyave. Hein, il a navigué sur Bémaro, il est arrivé à Goyave, il habitait à Goyave. Et chaque année, on fait effectivement son hommage avec la ville de Goyave et l'association Carnot maintenant qui existe depuis 2 ans. Parce que tu sais pour qui tu dis tout ça? C'est pour nos touristes et pour nos plus jeunes. Là, tu es en train de les éduquer. Voilà. C'est important. Donc, venez à cette toute une journée de manifestation avec le matin des témoignages, hommages, des pots de gerbe. Plus tard, parce que Carnot est un passionné de domino. Ils ont un tournoi de domino, ouais, et puis aussi des danses de quadrille. Le quadrille est aussi présent parce que c'était un fervent musicien de quadrille, ouais. Et puis un fervent marqueur dans les roses. Ouais. Et c'est le seul marqueur à l'époque qui marquait avec son tambour couché. Ok. Tambour couché, plus le jar derrière le tambour, ouais. Et d'autres petits... parce que c'était un mathématicien, parce qu'il avait le crin, il avait les épingles à nous, machin, enfin bon, c'est... Hein? Vous voyez, on ne peut pas parler du cas de notre musique comme ça en une émission. Ah non. La seule solution, c'est quoi? C'est d'aller directement voir Force et Tradition et ils vont tout vous expliquer. Ils vont vous apprendre, bien sûr, les 7 rythmes. Ils vont vous apprendre à danser. Ils vont vous faire partager. Ils vont vous faire aimer. En tout cas, Sabelle, on rappelle. Vous appropriez vraiment notre culture traditionnelle. Et pour finir sur le Mémorial Carnot, donc ça aura lieu sur le port de pêche, port de plaisance de Goyave, comme chaque année. Mais je le dis pour ceux, celles qui nous regardent et qui ne connaissent pas, donc le bord de mer de Goyave, au niveau de la petite marina. Maintenant, si on veut vous suivre, est-ce que vous avez une adresse Internet, Facebook ou même un numéro de téléphone pour prendre tous les renseignements. Facebook, le Facebook est très actif d'ailleurs, ouais. Voilà, parce qu'on revient d'ailleurs dans les roses sur la Désirade samedi. En plus. Samedi, on était sur les roses. Mais vous êtes partout. Voilà, et donc on nous voit sur Facebook, la page Facebook Force et Tradition. Tradition. Voilà, et ensuite un numéro de téléphone. En créole.
En créole, oui. En créole. FOS, plus loin E, plus loin tradition. Comme c'est marqué sur mon. Comme c'est marqué. Donc, il n'y a pas l'accent sur le FOS. Oui, ce n'est pas une faute. C'est que, voilà, voilà. La technologie ne permet pas de mettre l'accent. Pour l'instant. Mais on y travaille tranquillement. On ne s'est pas trompé. C'est la technologie qui ne veut pas. Force. Voilà. Et un numéro de téléphone, 06 90 64 66 98. Super, en tout cas longue vie à force et tradition. Si vous aviez un dernier message à faire passer à nos Guadeloupéens, Martiniquais, nos téléspectateurs de Saint-Martin, Saint-Barth, Haïti, Dominique, partout, voilà, la caméra est juste là. Allez. Alors je veux dire que l'incontournable cette année, c'est cet album-là, ça il faut l'avoir, il faut vraiment l'avoir. C'est sûr qu'aujourd'hui, on nous vend des voitures qui ne sont plus équipées en lecteur CD. C'est plus trop de voitures qui sont équipées en lecteur CD. Donc on a la clé USB, etc. Mais je vous dis franchement, c'est comme un livre. Ça, c'est un document à avoir. Okay. C'est un document. Au-delà du CD, en plus, c'est un travail vraiment associatif. C'est un travail associatif. Donc je compte sur tout le peuple qui nous entend, qui nous regarde, de pouvoir s'approprier. Parce qu'à ce moment-là, vous apportez votre contribution à la tradition Guadeloupe. Ah. Et ça, je compte sur chacun d'entre vous. Pour que vous puissiez vous porter vous aussi votre pierre à l'édifice. Très beau message. Le travail n'est pas facile. Le travail se fait beaucoup avec le cœur. Et vous connaissez le travail du bénévolat. C'est beaucoup de nuits blanches. Exactement. C'est beaucoup de. Mais on aime ça. Pourquoi ? Parce que derrière, on est fiers d'être des ambassadeurs, comme tu le disais, de la Guadeloupe. Et vous aussi. Ah, force et tradition. Un dernier mot, peut-être, Jackie Richard. Le mot, c'est que force et tradition, ouais. On n'a pas de frontières. On a fait l'Amérique. Afrique Canada, on perd la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth. Très bien. Nous sommes ouverts pour tout. La belle. En tout cas, continuez le travail. La Guyane, je sais que la Guyane m'a appelé la semaine dernière. Tout à fait. Donc, bienvenue, avec grand plaisir. Sans frontières. On répondra à l'invitation sur la Guyane. En tout cas, continuez le travail parce qu'on en a besoin. Continuez le travail avec les jeunes, continuez la transmission. Et on vous rappelle encore une fois que l'album est disponible de Fosse et Tradition. Allez-y, vous aurez le temps de l'écouter. Encore une fois, il y a des bouchons partout. Donc, vous aurez de la musique. Longue vie à vous. Un dernier mot, je sens qu'il y avait un dernier mot qui arrivait. Non, l'association Force et Tradition, dedans vous allez voir les photos de tout le monde. Ah, c'est bien ça. Parce que c'est un projet associatif, donc j'ai tenu à ce que vraiment il y ait tout le monde présent sur cet album. Donc, allez-y. En tout cas, et puis, ça serait bien que M. Jackie Richard puisse faire une petite interprétation en a cappella. Mais on attend que ça. Voilà, un peu d'impro. Un peu d'impro, là, comme ça, ça c'était pas prévu. Eh oui. Ah, regardez. Tu lis sur ma tablette. Il y a sans faire exprès. Voilà, sans faire exprès, on a beaucoup de retours. Les gens nous disent, mais votre album tourne autour de maman. Mais comme quoi, et sans faire exprès, mais comme quoi, on est toujours choqués autour de la femme Potomitan. Potomitan, c'est ça. Maman. Maman. Maman qui a roulé. C'est parti, c'est à toi. On va répondre. C'est un morceau sous l'album qui m'interprète. Ok. Maman qui a roulé en ma habitation pour yo. Et ni commandé, il pas qu'à laisser rouler. Mais c'est commandé, laissez maman rouler. Laissez maman rouler. Pipe gagne en journée, c'est vrai. Laissez maman travailler, quittez maman nous manger, c'est vrai. Monsieur commandé, laissez maman rouler. Maman ville couler, maman pas ville coucher, c'est vrai. Monsieur commandé, laissez maman rouler. Maman caoulé, en habitation. On était avec France. Il gagne en journée. Et tradition, on vous laisse en musique. Tout de suite, un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. Maman travaille. A tout de suite. Laissez maman manger, c'est vrai. Laissez maman rouler.